Bien, bonjour, merci d'être ici à l'ESRA dans le cadre donc, de ce festival de court-métrage de Nice qui a choisi comme thématique cette année le montage sous l'intitulé Final Cut. Et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'ouvrir une masterclass, un échange avec Yann Dedé, célèbre chef monteur du cinéma français qui a une carrière déjà longue, d'abord autour de François Truffaut, pour lequel vous avez été l'assistant monteur et ensuite vous êtes passé chef monteur sur des films comme La Nuit américaine, célèbre film tourné à Nice, ou comme L'Argent de poche. Et ensuite vous avez été aussi chef monteur, bon, je ne vais pas dire tous les réalisateurs, mais notamment une partie de la carrière des années, fin des années 70, début des années 80 de Maurice Pialat, avec notamment À nos amours, Police, Sous le salut de Satan ou Van Gogh. Mais aussi d'autres réalisateurs, alors pas forcément aussi longtemps, comme Philippe Garrel avec Les naissances de l'amour, comme Cédric Kahn avec L'ennui ou d'autres films, ou Nicole Garcia avec un autre film tourné à Nice d'ailleurs, Le fils préféré. Et surtout Jean-François Stevenin. Et aussi Jean-François Stevenin avec Double Messieurs, alors surtout, vous nous direz peut-être pourquoi surtout, comme Double Messieurs notamment. Et puis d'autres films avec d'autres réalisateurs, avec une moins longue collaboration peut-être, mais comme Catherine Breillat avec 36 fillettes, comme... En avoir ou pas de Laetitia Masson, ou comme Police aussi, un autre Police de Maïwenn, qui vous a valu d'ailleurs de recevoir conjointement avec une collaboratrice un demi-César. Un demi-César du meilleur montage cette année-là. Alors avec nous aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir Dominique Veillard, qui fait partie du jury professionnel de cette année, des films en compétition. Dominique Veillard et Yann Dedé se connaissent, ont déjà travaillé ensemble sur quelques films, notamment Outre-mer de Brigitte Rouan. Et vous avez, vous êtes là aussi en tant qu'ingénieur du son, monteur son, mixeur, ce qui est un lien intéressant à faire avec évidemment d'abord le travail de montage, hein, comment le son s'élabore petit à petit et passe d'une main à l'autre ensuite, comment le montage d'une manière visuelle et ensuite sonore s'opère. Alors on va, pour être assez précis dans le domaine du travail du chef monteur, on va d'abord peut-être poser une question générale sur l'évolution du travail de monteur, puisque vous avez vécu obligatoirement la mutation de l'argentique au numérique, le changement de travail donc au niveau technique. Vous l'avez reçu comment? Comment ça s'est opéré pour vous, cette mutation radicale dans le domaine du montage? Très mal, dans la mesure où je fais partie de la génération qui n'est pas née avec un ordinateur comme joujou d'enfance. Donc le temps de s'habituer à cette mathématique des ensembles et à ce codage permanent, au lieu de que les choses soient nommées normalement, entrée, sortie, etc. Par exemple, pour arrêter, pour démarrer, il faut appuyer sur arrêter, des choses comme ça, qui font que le monde est assez bouleversé dans sa conception saine et physique, normale. Donc ça a été très très dur, j'ai mis 5 ans à supporter ce monde codé. Maintenant, je m'en fiche complètement, ça n'est qu'un outil, mais le temps d'en faire un outil a été très laborieux et très long. Au début, c'est sur mes assistants qui manipulaient, parce que moi, j'étais incapable de réfléchir à deux choses à la fois, une chose simple et physique, et une chose codée qui cache une quantité de problématiques sous des appellations étranges. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc ça a été vraiment très très dur, mais maintenant ça n'a plus aucune importance. Alors heureusement, j'ai monté aussi en pellicule jusqu'à assez tard, puisque avec Philippe Garrel, on a encore monté La Jalousie sur pellicule l'année dernière. Et donc voilà, il reste un peu de physique, il reste un peu de choses à toucher. D'ailleurs, dans le métier en ce moment, quelle est la part encore du montage sur pellicule? Il n'y en a plus, il n'y a plus que Philippe Garrel, il y a eu Claude Miller et puis Chabrol jusqu'à leur fin, à tous les deux. Et puis il y a sûrement quelques fous furieux comme Grand Perret qui, dans leur garage, ont toujours une Atlas, une caméra 16 et qui font des choses. Enfin, je crois que Patrick, il tourne en numérique maintenant, mais c'est pour donner un exemple parce qu'il a longtemps aimé ça. Et je pense qu'il y a quelques fanatiques. Jean-Marie Straub, voilà, c'est ça. Et puis quelques autres sûrement qui sont moins connus. Et puis je sais qu'il y a des fanas du Super 8 aussi, donc qui continuent à penser que la pellicule, le grain de la pellicule est plus beau que le pixel. Voilà. Et sur quel film vous avez commencé à travailler concrètement en numérique? Je ne sais plus, là là, c'est difficile, ça doit être 2000, 2001, Cédric 2001, Souko, c'était encore de la pellicule, et après, je ne sais plus, c'est vers 2002, quelque chose comme ça, je dois dire que je ne m'en rappelle plus, c'est pas, je ne sais pas, 2002, je pense que c'est 2002, voilà, et
c'est plus du tout de pellicule. Enfin, il n'y a plus jamais eu de pellicule. Voilà. Et donc, à part cette difficulté à se mettre... À rentrer dans ce nouveau support, dans cette nouvelle technique, avec le recul maintenant, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé, à part l'aspect purement technique, au niveau, on va dire, esthétique du montage? Non, je n'ai pas l'impression. Enfin, le piège, c'est que, comme on a... Comme disent les gens qui adorent ça, on peut tout faire sur ces machines. On fait tout de suite beaucoup trop. Au lieu de se préoccuper d'un plan dans son entier, de sa colure précise, parce que quand on coupe du film avec une chose comme ça, là, une colleuse, on est obligé de choisir une image très précise. Sur les machines de numérique, on fait joujou, on trim, etc. On s'amuse beaucoup plus qu'on ne décide, voilà, d'une certaine façon. Donc on se lance plus vite dans les montages, en se disant on pourra toujours refaire. C'est vrai que du coup, on fait des tas de montages, mais plus impensés qu'on ne les faisait sur pellicule. On est obligé évidemment de réfléchir plus longtemps, de regarder les rushs un certain nombre de fois et d'y aller de la réflexion avant de l'action, avant l'action. Voilà. Et sinon, est-ce que ça a quand même allongé finalement, paradoxalement, la durée du montage? Non, je pense que le temps elle-même, parce que le temps, c'est pas du tout le temps de réalisation physique des choses, physique ou numérique, c'est le temps de mûrissement du film. Et ça, c'est absolument incompressible. Alors, effectivement, on entend dire que maintenant que l'image et le son sont séparés, le montage d'image va durer moins longtemps. C'est jamais vrai. À chaque fois, on me dit 11, 12, 13 semaines. À chaque fois, je dis ça va être 14, 15 ou 16. Et c'est effectivement ce qui se passe enfin, parce qu'il y a toujours un moment où on se rend compte que dans le temps prévu par la production, n'est pas compté le temps de mûrissement du film, qui est en général juste toujours un peu plus que ce qu'on pensait, faire. Alors ça, c'est complètement... Alors maintenant, il y a des rencontres extraordinaires entre la pellicule, la pensée du montage sur pellicule et les effets numériques. Par exemple, Agnès Guillemot, 30 ans avant que qui était ma chef monteuse sur les Truffauts, sur 4 des 5 Truffauts sur lesquels j'étais assistant, avait déjà inventé la timeline en 1961. Et donc elle faisait ses feuilles de mixage et ses feuilles de montage sur des partitions musicales, et elle colorait chaque plan avec bien évidemment leur temps réel en couleur sur du montage. Et les sons correspondants qui chevauchent, un plan vert, un plan rouge, et le son vert commence sur le plan rouge, etc. Et tout ça, elle l'avait déjà inventé en 60, et elle faisait ses feuilles de montage comme ça. Donc on avait une figuration du film, ce qu'on a exactement maintenant de façon numérique. J'ai d'ailleurs vu que beaucoup de monteurs ne colorent pas les plans. Moi, j'aime bien les coloriages, je suis un peu jeune d'esprit, donc je le fais systématiquement, et c'est vrai que c'est très, très, très important de voir le rapport d'utilisation des couleurs, donc des plans qui sont colorés, et que ça donne une image absolument nette, comme je viens d'expliquer sur la méthode Guillemot, de l'utilisation du son par rapport à l'utilisation des images et du rapport, bien sûr, temporel des images. Alors, un peu la même question aussi à Dominique sur justement cette mutation, là aussi, dans le domaine du son, il y a aussi des choses, des machines qui ont changé. Oui, considérablement, oui. C'est-à-dire à l'époque du montage sur pellicule et de la bande magnétique, une table de montage, il y avait 3 sons. Donc il y a 3 défileurs sur la table de montage. Donc la problématique est la même que ce que dit Yann, c'est-à-dire qu'on est obligé. On est donc obligé de réfléchir à ce qu'on a fait avant et à comment ça va se passer, ces sons-là. Et le choix, à ce moment-là, le choix d'un son est beaucoup plus pointu. Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut monter le son d'un film. On a très facilement 128 pistes ou beaucoup plus. Et on peut écouter toutes ces pistes en même temps, quoi. Ce qui est, je pense, un confort à un certain moment, pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Je dirais que ça va dans l'appauvrissement de l'idée, dans l'appauvrissement du choix. On a tendance à déverser, à remplir, quoi. Et donc, voilà. Maintenant, cette mutation-là, moi, je l'ai vécu. Le son était en avance sur l'image, technologiquement parlant, sur la question informatique. C'est-à-dire que même encore les tables de montage étaient encore des tables de montage pellicule. Et déjà, on pouvait accrocher à ces tables de montage des machines numériques. Donc, c'était... Puis je dirais que pour des gens qui font du son, c'est le,
c'est plus immédiat, ce passage-là. On est dans l'impalpable déjà avec le son, donc c'est plus facile d'une certaine manière. Et alors pour rentrer dans le vif du sujet, plus précisément au niveau du montage, on va d'abord diffuser un extrait d'un film sur lequel vous avez été donc monteur, L'argent de poche de François Truffaut. Donc un extrait qui va nous permettre de voir, alors c'est un extrait un petit peu long, mais on va pouvoir revenir éventuellement sur tel ou tel aspect de raccord, de changement de séquence, etc. Donc on va voir tout de suite cet extrait de L'argent de poche. Bien, alors avec cet extrait de L'argent de poche, première question assez générale sur le travail du montage, là. Est-ce qu'on peut faire la part des choses? Vous allez faire sans doute la part des choses, ce qui était prévu au départ dans le découpage, ce qui est peut-être arrivé ensuite pendant le montage. Moi, j'ai quelques a priori, comme ça, sans savoir exactement. Je pense que la séquence avec musique était déjà prévue au moment du découpage, de musique sur le dialogue des deux femmes, et donc on n'entend pas trop ce qu'elles disent. Et ensuite, par contre, là où je me pose une question, c'est quand on a ces deux images, l'image figée du petit à la fin de la séquence où on vient de voir ce qu'il faisait, sa bêtise, donc l'image qui se fige avec un timing particulier. Et ensuite, une autre image aussi sur l'enfant quand il est sur le balcon. Et tout d'un coup, c'est une image là, rapprochée en post-production, a priori. Parce que bon, là, on ne le voit pas bien, mais le grain est plus présent. Donc ça, c'est, je suppose, des choses qui ont été peut-être prévues uniquement au moment du montage. Oui, François était très, très. Il serait ravi d'ailleurs des outils numériques d'aujourd'hui parce qu'il était très fanat des trucages, enfin les images fixes, les rapprocher, les recadrages, voir les mouvements inversés, ou bien gauche-droite, ou bien dans le sens de la marche, etc. Il était très, très, très client pour ce genre de choses. Donc, bien évidemment, entre le découpage, ce qui est le découpage prévu, disons, c'est la grosseur des plans, ceux qui sont tournés façon studio, c'est-à-dire évidemment au rez-de-chaussée, les seuls qui sont tournés un peu haut quand on voit les arbres comme ça, où évidemment Grégory était tenu par 12 personnes qui tremblaient. Etc. Bon, tout ça est prévu. Maintenant, l'ordre des... Il n'y a pas de storyboard à proprement parler. C'est évidemment la qualité de chaque plan dans chaque axe qui fait qu'il est plus riche à monter ou moins. Donc, l'ordonnancement des plans se fait véritablement au montage. Hein. Il y a des choses prévues, mais évidemment, ça diffère. Le montage, c'est aventureux. Enfin, bon, on essaye et puis on cherche la meilleure solution pour le plus d'effets possible, etc. Quant à alors, l'image fixe de la fin des nouilles, c'était pour séparer plus la partie, le début de la séquence suivante dans l'escalier. Hein. De toute façon, il est assez coutumier du fait, les images fixes, il y en a beaucoup dans les films de Truffaut. Et puis pour clore cette séquence. Quant à l'histoire de la séquence musicale du dialogue des deux femmes, ce n'était pas prévu comme ça. Je crois qu'il avait fait commencer à parler les deux actrices un peu en improvisation. Et puis que ça s'est vite arrêté, mais il fallait nourrir les plans de Grégory qui ouvrait les paquets de nouilles, tapait avec le marteau, etc. Donc on a fait un doublage qui est en fait, comme on peut le voir, pas du tout synchrone, et pour ça accompagné d'une musique qui est une formule pour indiquer le temps qui passe. Et l'essentiel n'étant pas du tout le dialogue des deux actrices, bien évidemment, qui n'a qu'une importance très 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 relative et qui est mixée derrière. Mais bien évidemment, ce que fait Grégory. Donc là, c'est une espèce de trompe-l'œil, hein, de trompe-l'oreille en l'occurrence, pour cacher ce qui n'a pas d'intérêt, en l'occurrence le dialogue sous de la musique et des bruits, des nouilles qui sont mixées beaucoup plus fort. Voilà. Et sur l'aspect esthétique de la façon de monter une scène de suspense, avec un montage alterné de trois situations, en bas, en haut, et la femme qui cherche dans l'escalier. Donc là, sur la façon de timer, hein, ça marche beaucoup sur le timing, là, au niveau de la séquence de suspense. Est-ce qu'il y a, on va dire, des règles fondamentales à respecter, ou est-ce que là aussi, il y a du feeling au moment du montage? Je prends l'impression que le secret réside dans les cassures, c'est-à-dire au moment où, évidemment, au moment où il va se passer quelque chose de pire, on dévie l'attention en passant en bas avec les gens qui... D'ailleurs, tous ces plans des gens tournés en bas étaient avec des dialogues du genre « regardez », etc. On a supprimé tous les dialogues, c'est beaucoup plus fort en tension si ça ne parle pas, parce que ça veut dire que tout le monde est sec de la voix, enfin qu'il n'y a pas de possibilité de parler dans une situation dramatique qu'on voit comme ça. Donc le secret, je pense, c'est ça. C'est ou quand on attend quelque chose
chose, il faut le casser, ou quelquefois, il faut aller plus loin. Enfin, c'est effectivement de varier les formules pour empirer la situation, qui est effectivement à la base assez sadique et tout ça. Le pompon étant pour moi, dans les kilomètres de son sol qu'on a fait avec ce petit Grégory, que j'ai placé sur dès qu'il y a deux tournées ou quand ça a l'air synchrone, parce que tous les sons directs étaient inutilisables, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui disaient sans arrêt « rattrape-le, rattrape-le », ou qui s'occupaient du chat, ou enfin, les gens qui s'occupaient de l'animal ou de l'enfant. Donc, les sons directs sont totalement inutilisables. Donc, heureusement, ce petit garçon très sympathique et très ludique a rejoué avec Acha pendant une bonne heure. Donc, on a trié dans tous ces sons en essayant de donner une vie, un synchronisme et une vie à ses rapports avec le chat. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez intervenir aussi sur ce choix sonore qui, tout d'un coup, se font... Ce que j'ai entendu là, ce que j'ai trouvé frappant, c'est que... D'abord, effectivement, on sent bien que la voix, c'est une voix... c'est pas du direct, quoi. Il y a l'adéquation entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ça décale un petit peu. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... et en proximité. Et ce que j'ai entendu là, c'est qu'effectivement, à un moment, on n'entend plus que lui, quasiment, le petit. C'est-à-dire, et le chat qui fait miaou à un moment. Bon. Donc on centre complètement. C'est un contraste terrible, cette voix, cette innocence et ce jeu comme ça, et la situation. Et je trouve que plus on va vers la fenêtre et le truc, et plus on l'entend lui dans sa fraîcheur, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez frappant, là, pour le coup. Et c'est comme si c'est bien de toujours d'entendre parler de ce qu'on a fait par quelqu'un d'autre, parce qu'on voit bien l'effet que ça fait. L'effet que ça fait, c'est qu'on rentre dans la tête de Grégory, en fait. Oui. Que tous les plans des autres gens sont l'extérieur, mais on est complètement avec lui, on est homogénéisé avec le gamin. Ça, c'est pas bien. Mais là, quand vous faites le montage, vous pensez en effet à l'aspect sonore de rajouter une musique, de baisser les voix, et du coup de ne pas synchroniser, etc. Ça, vous y pensez parce que c'est nécessaire pour la tenue de cette séquence. Ça, pour l'histoire des femmes, là, ça c'est venu avec, parce que, comme je vous l'ai dit, on avait besoin de on savait pas ce qu'il, Truffaut ne savait pas ce qu'il allait faire avec ses paquets de courses. Oui. Mais c'est venu aussi le fait de. C'est venu pendant le montage, ça. D'abandonner les voix des personnages en bas. C'est venu pendant le montage. Ça, c'est aussi. Pour des questions suspense, c'est voilà. Un peu différent. C'est pas pour masquer, c'est pour monter la sauce. C'est aussi pendant le montage. Oui, bien sûr, puisque donc, ça a été tourné avec voix. Après, une fois que. Donc, quand vous faites ce montage, mm-hmm. et que vous le donnez ensuite au monteur son, au mixeur. Pas de monteur son à l'époque. Ah oui, pas de monteur son. Juste quand passe-montagne, 79. Pas de séparation de l'Église et de l'État, le montage, image et son sont faits par la même personne, avec des aides, avec des assistants ou des futurs monteurs son qui aident à monter le nombre de bandes qu'il faut, c'est-à-dire à l'époque plutôt 12 que 327, mais quand même on a besoin de petites mains ou de grosses mains, et voilà pour faire ça. Mais la cohérence est totale entre le montage image et le montage son. C'est pour ça que, à chaque fois que je vois pour parler de Passe-Montagne, que je vais ramener tout le temps ma phrase avec lui, les gens à qui je montre Passe-Montagne aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ce film, sont sur le cul en se disant « mais c'est pas du stéréo ça ?» Parce que c'est incroyable à quel point il fait bouger les sons, Jean-François. Et donc voilà, ça permet une adéquation totale de mise en scène sur la construction du son. Le danger, comme l'expliquait Vieillard tout à l'heure, et aujourd'hui avec le son, c'est que c'est un peu ce que j'appelle peinture fraîche. On met des choses jolies, on met des tas de choses et très jolies, mais elles sont moins cohérentes en mise en scène. Mais ce travail donc de choix sonore pendant le montage, ensuite vous le refilez quand même au mixeur. Avec des indications bien précises, bien justement, sûr, sur la force du bruit des pattes. Bien sûr. Etc. Et là, justement, Truffaut n'est pas du tout gêné de ce qu'analyse Eric en disant la voix du gamin est trop présente, etc. Bien au contraire, c'est totalement volontaire. Ce sont des choix sonores qui, même s'ils donnent une impression de faux, enfin, on n'est pas dans le réalisme absolu, appuient la scène dans le sens que voulait Truffaut. Alors, quand on est monteur, est-ce que des fois on s'arrache les cheveux, souvent sans doute, quand on voit justement des rushs, des séquences qu'il faut à tout prix inscrire dans le film et qu'on a des problèmes de raccord, etc. Alors, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de problèmes de raccord éventuels avec l'argent de poche, mais si on revoit le moment de la séquence où le deuxième passage, là où on a un problème de raccord de hauteur de regard avec l'enfant, on va peut-être revoir ça. L'enfant regarde hors champ. Il regarde sa mère, mais sa mère n'est pas accroupie à ce moment-là, elle est debout. Bébé, tu n'as pas vu le porte-monnaie ? Non. Tu es sûre ? Non. C'est pas toi qui l'as caché ? Non.
Tu l'as pas perdu? Tu restes sage, mon bébé? Alors voilà, donc est-ce que le public a observé justement ce travail de regard entre l'enfant qui regarde sa mère hors champ, ça, tout le monde l'a compris, et la mère le regarde lui, mais comme on est dans un montage alterné, est-ce que vous avez observé et voire été, entre guillemets, dérangé par cette hauteur de regard qui n'est pas juste? Ou est-ce que vous ne l'avez même pas remarqué? Quelqu'un va quand même réagir, j'espère. Personne ne réagit. C'est un public... On ne peut pas repasser la scène. Ah, on demande en régie, est-ce qu'on peut repasser la scène? Crucial. Bébé, tu n'as pas vu le porte-monnaie? Tu es sûr? C'est pas toi qui l'as caché? Tu l'as pas perdu? Tu restes sage, mon bébé? Toujours pas d'avis dans le public? Non, mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez absolument pas remarqué qu'il n'y a aucune gêne de compréhension des deux personnages entre le champ et le hors-champ? Ou est-ce que vous avez remarqué, mais vous trouvez que ce n'est pas grave? Le regard de l'enfant est trop bas. Voilà. Et juste à la fin, il remonte. Tout à fait. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est le fait que le regard remonte juste à la fin. Oui. Les deux dernières secondes. Tout à fait. Oui, selon vous, alors il ne faudrait même pas rattraper ce genre de guillemets erreurs qui sont en fait des légères ellipses dans la con. Parce que bien évidemment, quand on passe de la mère qui se retourne à l'enfant qui regarde comme si elle était déjà assise, la collure implique qu'elle s'est baissée. Et après, la collure suivante, quand elle est à la porte, implique que le regard s'est levé. En fait, j'aurais pas dû garder les deux, trois images où le petit relève les yeux, selon vous, et vous avez peut-être raison. Non, mais c'est tout à fait une possibilité, parce qu'il vaut mieux être très franc. Il vaut mieux être très franc, et quand on fait des petites ellipses, dont, encore une fois, Stevenin, par exemple, est le roi, c'est-à-dire qu'il coupe dans ses plans séquences, mais des tout petits bouts comme ça, et plus on ose faire quelque chose dans les coupes, plus on est franc du collier, au lieu de faire semblant que ça raccorde, c'est-à-dire plus c'est net, plus chaque plan a sa valeur narrative, même s'ils ne sont absolument pas raccord, plus c'est réel, entre guillemets, bien évidemment. Je ne parle pas de la réalité réelle qui fait que les films où on pose un verre et on voit l'insert sur le verre, puis on revoit le type qui remet sa main sur ses genoux et des choses comme ça, qui sont du détaillé, qui ne sont pas du tout du réel, qui n'ont absolument aucun intérêt. Je parle du réel narratif, hein, là, c'est-à-dire là, qu'est-ce qui se passe dans le plan 1, dans le plan 2, dans le plan 3. Si leur rapport est bon, si leur force intérieure est bonne, leur rapport total est bon, et on avale les faux raccords, hein, le public et nous, enfin, on avale les faux raccords comme étant des choses sans importance ou des bénéfices d'accélération de l'histoire. Moi, je n'ai absolument pas compris qu'elle se baissait et qu'elle se relevait. Oui, pas du tout. Tu as vu deux plans séparés. Voilà. Oui, mais ça ne m'a pas gêné. Oui, mais c'est ça. Dit, hein, ça. Oui. C'est ce que j'appelle la force de l'histoire, oui. Oui, oui. Et je ne me suis pas dit, ah tiens, elle s'est baissée, elle s'enlève, pas du tout. Une autre intervention dans le public. Moi, mon ressenti, c'est j'avais l'impression qu'en fait, c'était le regard de l'enfant, donc ça nous a pas, ça ne m'a pas du tout dérangé non plus, puisque j'avais oublié que la maman s'était baissée. Et pour moi, c'était le regard de l'enfant, c'est l'enfant qui regardait sa mère partir. Donc pour moi, c'était normal. Comme vous dites, vous avez oublié que la mère se baissait, mais on ne la voit pas se baisser, justement. Ce plan-là n'existe pas. Si on l'avait vu se baisser, il n'y avait plus de problème. C'est là où, si en off, on aurait entendu un bruit de la mère qui se baisse, tu vois, là, on aurait été dans la justification du regard, etc. Bruit qu'on a dû certainement faire au bruitage et qu'on a dû éliminer au mixage en disant qu'est-ce que c'est que ce fouillis, a dû dire François. Oui, exactement. Voilà, donc, pas de fouillis sonore, on est dans la netteté, la mère, l'enfant, la mère. Et là, on arrive justement à un point intéressant du montage. Il y a des choses qui, en effet, ne fonctionnent pas théoriquement, voilà, mais qu'on garde quand même parce que narrativement, au niveau de l'émotion, ça passe. Exactement. Mais en d'autres termes simples, ce sont les personnages qui guident. Si le personnage est réel, et encore une fois ce réel, hein, tout à fait entre guillemets, hein, est réellement dans l'histoire, au moment de l'histoire, dans sa situation psychologique juste, la position géographique est totalement secondaire. Alors est-ce que quand on est face à un montage avec des plans où justement cette magie-là n'opère pas, où le personnage n'est pas juste, et comment ça se passe? Est-ce qu'on rattrape? Il faut trouver un style, il faut trouver le style propre au film et à la scène particulière, qui fait que ça peut être effectivement, par exemple, un plan très très long, un plan très très court. Je ne peux pas vous énumérer un certain nombre de solutions qui sont absolument faramineuses, numériquement parlant, mais chaque film a son secret. Chaque film a son secret, autant de fabrication, de pensée que de montage. Et il faut le trouver, il faut mettre un certain temps à comprendre comment ça peut fonctionner, dans des champs contre champs qui ne marchent pas, à ne monter que les champs et pas le contre champ. Enfin, il y a un millier de solutions pour chaque chose, et le seul
La seule raison qui peut en décider, c'est le film, c'est le style de narration du film. Comme disait Guillemot, ce que le film m'apprend. Hein, Guillemot était toujours en écoute sur le film. Il disait, quand elle ne savait pas les choses, ce que j'ai appris à faire d'elle et que je fais toujours aujourd'hui, c'est de laisser reposer. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout avoir peur de la fuite. C'est très bien. D'ailleurs, quand on rentre en bus chez soi, c'est dans le bus qu'on trouve la solution en général, ou en plein cauchemar, 3 heures du matin. On se dit, c'est tellement évident, il n'y a qu'à supprimer le plan du milieu, ça ira très bien. Donc ces choses aussi, il faut qu'elles s'incarnent dans une vérité qui est la vérité du film et pas la vérité du monteur ou du metteur en scène. La vérité du film est supérieure, je pense, en fin de compte, à celle du metteur en scène. C'est pour ça que les metteurs en scène qui ne réussissent pas leur film sont en général des gens qui s'accrochent à leur idée première, mais j'avais prévu que, mais j'avais écrit que, mais etc., qui ne se laissent pas porter par ce qu'a apporté de nouveau le tournage et de ce qu'apporte de nouveau le montage avec ses erreurs, ses faux raccords et ses désynchronismes, on peut dire. Alors, pour rester dans cette idée de problème éventuel qui passe ou qui ne passe pas dans une séquence, on peut peut-être revoir aussi la séquence quand l'enfant tombe par la fenêtre. Donc, c'est le cinquième passage pour la régie, avec le raccord mouvement, le mannequin qui est... Enfin, on peut voir que c'est un mannequin et le point d'impact quand l'enfant tombe par terre. Donc, je demande au public, là aussi, d'être très attentif, même si l'écran est peut-être un peu petit, d'observer en effet les changements de plan quand on passe du véritable acteur au mannequin et puis quand on voit ensuite sur le sol l'impact de l'enfant au niveau du raccord. Voilà. Oh, je suis embêtée, je trouve plus mon porte-monnaie. Ah bon ? Vous l'auriez pas laissé chez moi ? Mais non, chez vous, je crois que je l'avais plus déjà. Donc j'ai dû le laisser en bas ou chez l'épicier, je sais pas. Donc là, on voit bien que c'est un mannequin. Quand on est sur une table de montage, ces plans, surtout, que ce soit en numérique ou pas d'ailleurs, on les revoit, je ne sais pas combien de dizaines de fois. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne se dit pas, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas voir, on le voit ce mannequin. Oui, il faut savoir que c'est un mannequin. Parce que la scène est une scène sadique, et Truffaut n'est pas du tout sadique. Et il s'agit à un moment de montrer que je pense que c'est totalement volontaire. Que ça n'est pas le beurre, disons, du cinéma américain qui voudrait faire croire que le mannequin, c'est l'enfant. Ça n'est pas la façon de faire de Truffaut. Je pense que c'est totalement volontaire qu'on voit que c'est du cinéma. Je comprends bien, hein, la position de Truffaut, mais la vôtre en ce sens. Alors, est-ce j'adhère... que vous ne dites pas en tant que monteur, non, mais ça passera pas, ça c'est trop gros. C'est non, trop... non, parce que j'adhère au point de vue du metteur en scène. Hein, pas, en général, j'essaie de ne pas monter un Truffaut comme un Piala, un Stevenin comme un. Etc. Dirigé par eux, le metteur en scène, il dirige aussi le monteur, il dirige les opérateurs, il dirige pas seulement les acteurs. Donc il y a une espèce de direction d'acteur. C'est un chef d'orchestre qui induit votre façon de penser pour ce film-là. Oui. Donc faisant en sorte aussi d'apporter des idées. Bien sûr. Comme par hasard, d'ailleurs, ces metteurs en scène que je cite sont des gens qui laissent libre leurs techniciens d'apporter leurs talents spécifiques, leurs idées spécifiques, fussent-elles mauvaises, parce que toutes les mauvaises idées servent à éliminer les mauvaises solutions dans un film. Donc tout est bon dans le poulet, comme disait Piala. Hein. C'est vraiment. Et les metteurs en scène les plus limités sont ceux qui limitent leurs techniciens. Alors non seulement on a ce personnage féminin omniprésent dans chaque séquence, ces lieux différents qui l'entourent, mais on a aussi des façons de filmer différentes. Quand on est à l'extérieur, ça y est, on commence à avoir une caméra portée. Alors qu'on était très calme, très sage, en plan fixe au départ, on redeviendra posé pour la représentation théâtrale. Tout d'un coup, la répétition en extérieur, alors que la répétition en intérieur ne nécessitait pas ça, tout d'un coup, la répétition en extérieur prend une vie différente. C'est évidemment prévu au tournage, c'est fait au tournage. Pour vous, en tant que monteur, est-ce qu'il y a parfois... je ne dis pas pour ce film-là, mais pour d'autres films, des difficultés à faire ce genre de raccord entre des plans fixes et des plans en mouvement.
Je ne crois pas du tout. Et puis, ça, je pense que c'est une grande spécificité du cinéma de Pialat. Beaucoup de metteurs en scène se plaisent à louer une pseudo-homogénéité de leurs films. On voit chez Pialat que l'homogénéité est remplacée par la pluralité. Non pas pour faire n'importe quoi et pour faire foutre du bordel, etc., mais pour varier très exactement comme est la vie. C'est-à-dire, à 2h11, on est en pleine forme. À 2h12, on est complètement déprimé. Et le système, enfin, ce n'est pas un système, mais la vie que Pialat met dans le cinéma est exactement à cette aune-là. Donc ça marche aussi sur la largeur des plans, sur caméra à la main ou pas à la main, etc. C'est-à-dire cette variation qu'il y a dans la vie, il est tout le temps en recherche de ça. On le voit bien dans Van Gogh, dans ce film-là bien sûr, mais particulièrement dans Van Gogh, qui est un des films les plus pluriels dans les styles de Maurice. Enfin, voilà, c'est vraiment un choix, c'est-à-dire c'est un choix instinctif. Hein. C'est-à-dire il le fait directement avec le cœur. Ça n'est pas une réflexion, ça n'est pas un storyboardage à proprement parler. Dans chaque situation, il se demande comment on peut la vivre au mieux, au plus vrai. Alors, en changeant de réalisateur, forcément, vous vous dites, vous épousez comme ça les styles, les volontés. Mais comment il se passe ce mariage? C'est pas du jour au lendemain, ça se met un certain temps d'approche. Oui, enfin, ce qui est horrible, c'est la première semaine de montage sur un film, parce qu'on fait les collures du film d'avant. Enfin, on continue à croire qu'il faut faire pareil. On se rend compte en 2-3 jours que c'est totalement impossible. Quand même, ce qui est en dehors du metteur en scène, puisque quelquefois il n'est pas encore là, puisqu'on commence à monter pendant le tournage, c'est les rushs qui vous imposent leur style, qui ont leur rythme, qui est différent du rythme d'un autre metteur en scène, en l'occurrence de Truffaut. J'étais passé de Truffaut à Stevenin à Pialat. Voilà, mais tous ces trois styles totalement différents. Donc on met un certain temps à y venir, mais on y vient porté par le film. Et quand ce n'est pas porté par le film, c'est porté par le metteur en scène qui vous traite d'imbécile et qui me dit, Pialat, il me disait tout le temps, t'as encore fait tes yanneries, etc. Enfin, c'est une forme de maîtrise, de maître, mais pas du Pialat, mais pas du tout ludique. C'est-à-dire, ça marche toujours il vous met toujours dans un état réactif, émotionnellement. C'est-à-dire, au lieu de vous dire « faut pas faire comme ça », il vous dit « imbécile ». Ce qui est beaucoup plus net, d'une certaine façon. D'abord, parce que le refus est net. Deuxièmement, parce qu'il vous force à trouver la solution, vous, et ne pas la dicter. Tous les metteurs en scène qui dictent des solutions, en général, c'est un peu théorique, etc. Alors, on aménage la sauce. Hein. Par exemple, sur Pialat, il y a une chose que j'ai... Sur Truffaut, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est très nette ce qu'on peut varier dans les demandes du metteur en scène. Truffaut, quand il n'avait pas d'idée, enfin, quand il avait une idée très précise d'une scène, plutôt, il nous envoyait de son bureau une liste de, je sais pas quoi, une vingtaine de plans à monter. Pour la séquence X, c'est 20 plans. Chaque plan décrit assez précisément. Sur les 20 plans de la description, en général, il en manquait, pas tourné, 4 ou 5. Donc il fallait trouver dans les rushs des équivalences au désir de description de ces plans inexistants que Truffaut faisait pour retrouver les 20 plans, ou peut-être plus, ou peut-être 24, parce que le montage, c'est extrêmement, ça varie hein, avec le temps. Voilà, ce qui montre bien que c'est quand même des tentatives et que tout ce qui est de l'ordre du... Moi, je me fie beaucoup de ce qui est de l'ordre, sauf pour des publicités, évidemment, mais de l'ordre du storyboardage est quelque chose d'extrêmement prévu, parce que, bien évidemment, si on ne fait pas rentrer de l'imprévu dans le cinéma, dans la vie du cinéma, c'est un peu dommage. Or là, on est en plein là-dedans. On a vraiment l'impression, alors que le thème est homogène, le théâtre, d'entrer dans plein de monde. Mais est-ce que vous-même, vous avez une tendance justement à travailler avec des réalisateurs qui vont dans votre sens de cinéma, j'ai l'impression quand même qu'il y a une... Il y a des familles, oui, il y a des familles, et c'est vrai que, oui, il y a des familles. C'est bizarre d'ailleurs, parce que Truffaut, on peut dire qu'il est plus classique, plus narratif, etc., mais il y a quand même beaucoup de bordel dans les films de Truffaut, il y a quand même beaucoup de plaisir ludique aussi, pas de la même façon que Stevenin, où c'est très, très, très musical, j'allais dire, hein. Ça vient beaucoup par le son, c'est incroyable le nombre de plans de Stevenin qui viennent parce que 30 secondes avant dans le son, il y a eu, je ne sais pas quoi, un crapaud qui fait du bruit, puis la séquence après va être dans une mare. Mais il n'y a pas des crapauds pendant toute la séquence pour dire à l'extérieur de cette maison, il y a une mare. Non, il y a juste un truc bizarre. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'était que ce truc-là? C'est peut-être un crapaud, effectivement. Après, c'est un exemple faux que je donne, mais c'est pour expliquer que le goût extrêmement ludique de Stevenin pour les sons et comment il jump d'une scène à l'autre. Qui n'est pas la méthode Pialat, qui est juste d'entrer à chaque fois dans le cru de la vie, hein, qui est beaucoup plus cut, beaucoup plus net, sans charnière narrative. Tous ses films, il disait j'en ai marre de faire des films pleins de trous, et à chaque fois qu'il avait des scénarios où il y avait des scènes charnières qui expliquaient pourquoi on allait passer de la situation
X via la Y à la Z, et la citation Y, il la tournait, on l'achetait au montage. Et à chaque fin de film, il disait toujours, j'en ai marre, ce film est encore plein de trous. Et ce n'est pas des trous, c'est des ellipses extrêmement fortes qui font que son cinéma est costaud, qu'on est, à chaque fois qu'on entre dans une scène, on comprend, on devine, on imagine qu'on est 6 mois plus tard, 1 heure plus tard, et qu'il s'est passé des choses étranges dans la tête du personnage. Rien qu'à voir l'attaque de la séquence qui suit. Et après, on pourrait se poser des questions aussi sur cette influence qu'il y a entre réalisateur et monteur, et inversement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une période Piala 2D, il y a une période Piala avec un autre monteur, comme pour Truffaut? Est-ce que vous, qui regardez beaucoup de films aussi, est-ce que vous observez chez les autres des périodes où vous dites, ça, c'est tel collègue qui l'a fait, ça se sent... Oui, peut-être il y a des détails, enfin des, bon, par exemple, sur Piala, il y a un truc net, il m'a dit « Enfin, avec toi, on ne monte plus les portes du cinéma français. » Voilà, bon, ça, alors probablement, moi, j'ai une aversion pour les portes dans les films, donc je les coupe toutes. Bon, c'est juste une aversion un peu idiote, de base, comme ça, mais il s'avère qu'il était très content qu'il n'y ait plus de portes à partir de Loulou. Enfin, en tout cas, qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Voilà, mais on voit bien dans un film comme « Nous ne vieillirons pas ensemble » que les portes, les temps d'ouverture de scène légèrement théâtrales ont une valeur. Donc, ce n'est pas seulement une... Je pense que, enfin, grâce à ça, il a moins tourné de portes après parce qu'effectivement, il a vu l'utilité de couper des portes, que ça pouvait être des choses qui ne servent à rien. En tout cas, bon, encore une fois, ça dépend des films et de leur sujet, hein, évidemment. Avec Truffaut, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir que, moi, comme j'étais tout chien fou et tout ça, je suivais beaucoup ce qu'il me disait. Je m'amusais beaucoup avec la pellicule, mais je suivais beaucoup ce qu'il disait. Et une de ses méthodes était, dans les champs contre champs, quand quelqu'un parle off, d'enlever tous les silences, surtout que ça aille très très vite. Ce qui fait quelquefois des gens qui parlent comme ça quand ils sont on. Et puis dès qu'ils sont off, ils se mettent à parler beaucoup plus vite. Enfin, bref, le silence entre les deux. Donc ça fait d'étranges rythmes on-off que Martine Barraquet, la monteuse suivante, a essayé de moins systématiser. C'est-à-dire qu'on voit bien dans les films après ce que montait Barraquet, il y a un peu plus de silence entre les phrases off. C'est moins précipité off. Alors que moi, je vous ai dit, j'ai plongé dans son désir de faire ça tout de suite, même si c'était, disons, un peu abusif parfois. Voilà. Donc pour pareil aussi peut-être au niveau du travail d'un ingénieur du son avec son réalisateur, est-ce que comme pour Yann, il y a quelque chose de forme et d'éphémère finalement sur quelques films et puis après on change? Comme disait Yann, c'est le film qui donne le travail en fait, qui dit le travail. Moi, c'est vrai que quand je travaille, c'est pareil, on commence par être une éponge, quoi, en fait. Voilà. Mais je voulais juste dire quelque chose à propos de Jean-François Stévenin, sur la question du son, et Jean-François qui est effectivement très, très sensible au son direct. Et le son direct, ce qui se passe d'une manière sonore dans un plan, dans un plan, est agissant. Complètement. Ça n'est pas accessoire. Ça joue sur les comédiens et Jean-François s'en sert. Les comédiens s'en servent et il est très, effectivement, très preneur de ça. Et sur Double Messieurs, je me souviens, tout d'un coup, il y a eu un bruit, un espèce de pouf comme ça, dans la station-service, là, où il y a, et ça, il le garde absolument, parce que. C'est l'inattendu, c'est l'intrusion d'un réel assez fantastique, en fait, en réalité, dans la scène. Et il est très, effectivement, Jean-François est très, très preneur de ce genre de choses. D'autant plus que le plan dont parlait Eric, c'est un plan où la voiture s'arrête dans une station-service et il y a un bidon de vide qui sert de poubelle caché derrière. Et la bagnole rentre dedans, ça fait boum, absolument magnifique, mais on ne voit pas le bidon. Donc, et la voiture continue encore quelques centimètres. Donc voilà, on se dit à la fois, là, je connais quelque chose, puis elle n'a pas connu quelque chose, parce qu'elle continue à avancer. Donc c'est totalement magique. Et un exemple aussi de la façon de faire de Jean-François pendant pas Double Messieurs, mais Passe-Montagne. On allait faire un dimanche sur deux, on retournait dans le Jura où Passe-Montagne a été tourné, pour faire des ambiances. Lui et moi, on avait un agra, et on allait faire. Je crois que l'ingénieur du son de ce film-là, Zlotnicka, était suisse, donc il avait du boulot, il ne pouvait pas le faire. Nous, on était ravis parce qu'on adorait cette grosse machine, là, le Nagra, la perche et tout ça. Donc on y allait un week-end sur deux faire des sons. Et on avait fait, il y avait miraculeusement une scène qui était à doubler parce que vraiment le son. Parce qu'on avait tourné au Caméflex qui faisait du bruit, on était obligé de doubler. Donc on avait doublé d'ailleurs sur place, on n'avait pas fait des doublages en auditorium, mais on était allé dans le Jura avec l'acteur et Jean-François qui redisait phrase par phrase
dans le lieu du tournage, le même texte, sans caméflex, évidemment. Donc on synchronisait les phrases, réenregistrées sur le lieu même du tournage, et donc pas avec ce son d'auditorium horrible qu'il y a dans beaucoup des doublages. Et puis donc, on est allé faire un autre week-end, une ambiance pour ce plan-là, qui était un plan fixe, ou quasiment fixe. Et puis on a fait, il y avait une petite rivière qui passait en dessous du pont sur lequel c'était joué, donc on a fait une ambiance rivière. On vient ça, on met en place ce son sur le plan, et ça ne va pas. Et on y retourne 15 jours après. Et Jean-François a l'idée toute simple de faire une ambiance rivière et puis de s'en aller avec la perche. On a monté l'ambiance dessus, c'est miraculeux, le plan bouge. Ce qui fait dire aux gens 25 ans après, et c'est pas en Dolby Stereo ce machin-là, parce que non, la conception basique de ambiance rivière, c'est ambiance rivière et puis c'est tout, non. Mise en scène sonore totale. Alors, pour revenir à nos premiers amours, enfin à nos amours, on peut aussi là, s'intéresser au changement de séquence, là, quand on passe au générique. Donc, le troisième passage, s'il vous plaît, le passage donc, du cut au générique, avec le début de la musique et tout ça. Allez, Donc là, le choix, la décision sur la table de montage de caler à cet endroit-là, à la fin de cette vie quasi improvisée de la répétition en extérieur, dans un mouvement de caméra, et puis tout d'un coup arriver dans une sorte de plan fixe, malgré le mouvement du bateau, personnage de dos, une lumière totalement différente, habillé différemment, avec cette musique qui entre tout de suite. Comment ça se passe au montage là ? Est-ce que c'était quelque chose aussi de prévu de placer cette séquence de générique à cet endroit-là, de cette manière-là, avec cette musique-là ? Non, je pense que le générique a dû être en premier pendant un moment. Et puis, je pense là encore peut-être pour parce que l'image de ce bateau est tellement belle. Alors, c'est vrai qu'en premier plan d'un film, c'est très beau, mais partir d'une jeune fille en t-shirt à rayures rouges et puis déguisée en robe et tout, et puis de la magnifier comme une espèce de déesse grecque à la proue d'un bateau, voilà, ça faisait d'abord, ça faisait une cassure à l'intérieur des quatre scènes théâtrales, hein, mais pas une image elle-même théâtrale ou cinématographique comme on veut, mais ça donnait une petite, pas une fausse piste, mais enfin une petite déviation, une très belle déviation en l'occurrence. Hein. Et puis après, on revenait à nos histoires théâtrales. Et coupé, bien sûr, en plein dans les mouvements, c'est tout à fait volontaire, pour que s'impose l'image de la déesse de la mer. Et quant à la musique, c'est venu par hasard, ces hasards qui n'en sont pas, c'est que tous les jeunes qui jouaient dans le film, là, on écoutait tous ça à ce moment-là. Voilà. Ils écoutaient tous Klaus Nomi. Donc là aussi, Maurice est quelqu'un qui filme son époque et qui s'intéresse à ce qu'aiment les gens qu'il filme. Dans son époque, et ça lui allait très bien d'adopter quelque chose qui aurait été tout à fait pour lui, dans la mesure où c'est du Purcell, mais pas spécialement par Klaus Nomi. Mais voilà. Donc l'adéquation, là aussi, entre un goût du classique et un goût incroyable des jeunes à cette époque-là. Et avant, il y avait déjà un choix musical qui avait déjà été envisagé avant de choisir Klaus Nomi ? Je ne me souviens plus. Je crois qu'il est revenu au tournage en disant que ça aurait sa place. Mais j'ai le souvenir quand même d'un moment d'hésitation. C'est-à-dire, d'abord parce que ce n'est pas... Il y a de la musique dans Le Soleil de Satan. Il y a eu de la musique écrite dans Loulou, mais on n'a monté rien du tout, que au générique de fin. Enfin, il était, bref, tout ça pour dire qu'il était assez réticent sur la musique de film, sauf si elle s'impose par sa beauté, comme Dutilleux dans Le Soleil de Satan, ou... Là, quand elle s'impose en adéquation, hein, une espèce de musique divine, entre guillemets, avec une figure divine. Donc il a hésité, parce que l'utilisation de la musique lui pose souvent problème, mais devant le simple collage de l'image et du son, c'était tout de suite vendu d'une certaine façon. Alors pendant ce générique, j'imagine volontiers qu'il y avait des rushs beaucoup plus importants. Pas tellement. Non, il y a deux prises larges, une prise serrée. Voilà, mais non, c'est tout simple, on a utilisé presque tout. Donc, oui, mais les prises serrées sont plus courtes que les prises larges. Donc, est-ce que c'est le timing là, ce que je voudrais aborder, c'est le timing ce changement de séquence, de ce changement de plan large puis serré. Donc, on a mis le plan large de façon serrée, très utilitaire entre deux plans larges
pour avoir la longueur, hein, mais enfin harmonieusement. Et on n'a pas laissé traîner le plan serré trop pour ne pas gâcher le retournement final dans le plan large. D'accord. Parce que si on restait trop long, alors évidemment elle est de dos, mais si on restait trop longtemps, et d'ailleurs il va y avoir un retournement aussi de face, mais si on restait trop longtemps de dos, ça faisait un effet de gâchis sur le retournement. C'est-à-dire, parce qu'il y a le plan large, c'est comme si, ah, elle va peut-être, voilà, c'est ce que dit la collure du plan serré, c'est on va enfin la voir de près, puis on ne la voit pas, on re-recule, et elle ne se livre qu'à la fin. Peut-être une petite réflexion sur le choix musical, sur ce changement d'ambiance sonore et de passer direct. Oui, moi j'étais sur le changement d'ambiance sonore, je suis plus frappé en fait par après le générique, c'est-à-dire cette lumière et ce noir après, et y compris l'ambiance sonore. C'est vrai que Purcell, là, c'est on est aussi, c'est très théâtral en fait, c'est du théâtre Purcell, donc je trouve que j'ai rien d'autre à dire que je trouve que c'est très très bien. Quoi. Voilà. Certes. Alors, donc là, dans ce changement de plan aussi, là, évidemment, logiquement, on ne s'intéresse absolument pas au raccord de l'espace. C'est que Sandrine Monner qui compte, que l'île soit derrière dans un plan, puis qu'elle disparaisse, puis qu'elle réapparaisse, etc. Oui. C'est quelque chose qui ne perturbe à aucun moment les séances de montage. Non, non, les personnages. Oui. Alors, on va passer maintenant à une autre. Je suis en train de perdre un accessoire. On va passer à un autre passage. Cette fois-ci un peu plus tard, la fin du générique. Donc le sixième passage, quand Sandrine Bonner se retourne, qui a un regard vers la caméra et qu'on cut avec le contre-champ avec son frère qui dit « Elle est belle, ma sœur ». Regarde-la, l'autre. Elle est belle, ma sœur, quand même. Belle, ma sœur vient juste après. Donc là, ce changement de séquence, bon, il y a le timing, en effet, de la musique. C'est la fin de la musique, on le conserve. Arrive en même temps le bruit du moteur du bateau. Donc là, c'est un choix différent du début de la séquence qui a été monté cut au niveau du son. Là, tout d'un coup, on enchaîne directement. Sur l'idée du regard caméra, là, alors certes vous montez avec ce que vous avez, mais c'était un choix évidemment fort. Oui, il y a de toute façon la présentation de son actrice chérie, hein, évidemment. Mmh. Et puis il y a aussi quand même le fait que le plan suivant est un contre-champ, même si le son casse. C'est une formule qu'on a, une formule, j'aime pas le mot, mais enfin une variation de cut pas cut qu'on a beaucoup utilisé dans Van Gogh ou dans le cabaret. Quelquefois, l'image est elliptique et le son est continu, et vice versa. Et là, de la même façon, le son aurait dû continuer, puisque c'était évidemment un champ contre champ, elle est belle, ma sœur, puisqu'il la regarde à la proue. Or, on a cassé le son et on a lié sonorement le plan, elle est belle, ma sœur, à la suite de la séquence. Voilà. Ça fait partie des petits... Je ne sais pas si chez Maurice, c'est sûrement pas des volontés de troubler le spectateur, comme ça peut être très souvent le cas chez Stevenin, hein, qui a envie de qu'on voit quelque chose et qu'on se dise il y a un lézard, hein, tout le temps. Là, ce n'est pas du tout cette même recherche chez Piala. Je crois que c'est le désir d'être franc, et je ne sais pas... D'ailleurs, cette phrase, elle est belle, ma sœur, c'est un des seuls doublages du film, une des seules phrases doublées. Je pense que voilà, il avait envie de. Je sais pas quoi dire là-dessus, parce que pour moi, c'est tellement simple, c'est tellement pas des solutions techniques ou des solutions professionnelles, mais ce sont tellement des solutions d'émotivité pure que quelquefois, je ne retrouve même pas pourquoi c'est venu comme ça. Quelquefois, on fait les choses. D'ailleurs, sa façon de parler du montage, Maurice, c'est révélateur. Il dit le montage, c'est. Ouais, c'est exactement ça. On peut pas dire mieux que un coup ça marche, un coup ça marche pas. On fout le coup de hache et ben voilà, c'est net comme ça. D'ailleurs, les dernières opérations de montage de Maurice, on voit le film sur la machine et il dit dès que je m'emmerde, j'arrête. Et il arrête la machine, il dit coupe là et on le fait. Mais après, à propos de cette façon de se retourner et de regarder la caméra, même si c'est après, on comprend que c'est un contre-champ, d'abord, elle nous regarde, nous. Donc, c'est notre figure de proue à nous, spectateurs. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une sorte de volonté, d'abord, de faire un décalage de compréhension ? D'abord, elle est pour nous, et ensuite, on comprend que c'est un contre-champ, qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre, qui pourtant nous dit la même chose que nous. Elle est belle. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une sorte de volonté, sans le dire, de frustrer un peu le spectateur ? Ah tiens, elle ne nous appartient pas qu'à nous.
Oui, elle s'offre quand même. Hein. C'est un geste de, c'est comme un geste d'offrande qu'elle fait. Enfin, bien évidemment, le geste est double. Il est au public, encore un mot pas très joli, et, mais il est au réalisateur aussi. Il est aussi, ça dit aussi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qu'elle regarde, hein, en plus de son frère. C'est triple même, c'est triple. Regarde là l'autre. Oui. Je trouve que c'est, moi, elle, voilà, c'est oui. Cette phrase qui est, ouais, qui nous dit à nous, regarde là. Voilà. Oui. Regarde là l'autre, c'est un peu ironique, c'est aussi et de c'est, dire, elle en fait, hein, elle, voilà. Oui, voilà, le générique en fait trop, presque. Hein? Presque le générique en fait trop. Oui, c'est ça, c'est ça. Ensuite, on va passer à un autre passage, c'est-à-dire le passage, donc le sixième passage. Le septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième passage, les raccords mouvements du plongeon, puis les cuts brutaux quand on est sur le bateau. On passe de quelque chose de très souple, le raccord du plongeon, c'est un raccord classique. Puis ensuite, on arrive dans une sorte de brutalité. Le terme n'est pas le juste, bien évidemment. Mais tout d'un coup, on coupe franchement dans une phrase en train de se dire. D'ailleurs, j'aimerais avoir peut-être dans le public certains un avis, un ressenti vis-à-vis de cette façon de mélanger les types de montage, d'être à la fois souple sur un raccord de mouvement et en même temps plus rude sur, tout d'un coup, surtout dans une phrase. La rudesse est encore plus évidente. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer sur cette façon de faire, sur cette, ce que, les émotions que ça propose. Alors, c'est vrai qu'avant de dire, passer l'extrait, je ne vous ai pas dit d'être attentif. Alors. Non, je vous recommande à réécouter cette conférence. Parce que... ouais, on va le refaire. Non, pas de questions, pas d'émotions particulières à livrer. Voilà, donc justement, ellipse. Elle est d'autant plus marquée qu'elle est brutale. Voilà. C'est-à-dire, on dit bonjour, c'est une ellipse, quoi. Mais en même temps, on fait pas semblant. Mais en même temps, on nous dit, on n'écoute plus. Ce qui est dit, finalement, c'est une façon peut-être de dire, c'est pas très important, c'est pas très intéressant, ou je ne sais pas. Enfin, comment le recevoir, ça? C'est pour ça que je voulais que le public le réponde. Je sais pas, moi, ce que j'entends dans la colure. Puisque le type commence à lui dire non, tu ne peux pas jouer ça comme ça, etc., c'est qu'il va y avoir éventuellement des explications, que ces explications narrativement n'intéressent pas du tout Piala, qu'elles soient dites. Par contre, qu'il y ait eu un rapport avec ce gars-là, et qu'il lui dit quelque chose, que ça soit lui qui ait un résultat sur la qualité de la représentation ou pas, est importante, puisque, pour une raison qu'on ne peut pas deviner à ce moment-là, puisque ce personnage va réintervenir plus tard, qu'elle aura probablement une petite histoire avec lui, oui, c'est ça. Voilà, donc ça tient ça. De la même façon, le gars qui plonge, on ne le reconnaît pas, mais le gars qui plonge à côté d'elle, c'est lui. Donc c'est juste qu'à l'intérieur de cette histoire théâtrale d'amour, dans la vie réelle, un type s'approche d'elle, et puis donc plonge à côté d'elle, puis lui parle un peu, mais ce qu'il a à dire n'est pas important, c'est juste l'important, c'est que Suzanne ait un contact avec un homme à l'extérieur du théâtre, puisque je pense que c'est d'autant plus marqué que le rôle de l'homme de Perdican est joué par une femme dans la scène théâtrale. Donc c'est pour faire entrer les hommes, je dirais, qui ne sont pas son frère, dans l'univers de Suzanne. Et ce type de coupe est quelque chose de indiqué d'emblée par Piala, ou c'est comment se fait le tâtonnement autour de ce travail? Je pense que c'est moi, celle-là, par exemple. Enfin, je pense que c'est moi, et puis qu'il adore ça. Hein. C'est exactement la façon, c'est exactement ce qu'il fait, ce que je vous disais tout à l'heure, quand il vient à la fin du montage, et que la dernière opération qu'il fait, c'est quand je m'ennuie, j'arrête. Voilà. Et quand je l'ai fait moi, ben, ça lui va très bien. Et là, cette façon de faire, justement, de couper comme ça dans une phrase, c'était quelque chose que vous aviez déjà expérimenté? Oh, j'adore, avec Stévenin, sans arrêt. Voilà. C'est Stévenin qui m'a appris ça. Mais pas vraiment avec Truffaut. Non, non, non. Donc, Truffaut est beaucoup plus classique narrativement, on va au bout de l'idée, etc. Truffaut, à qui on reprochait de temps en temps d'être un peu didactique, il disait, moi, de toute façon, si les gens entrent dans une scène sans savoir où on en est émotivement de l'histoire, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne pourra pas les intéresser véritablement. Ils ne sont pas au cœur de l'action sentimentale, émotive à ce moment-là. Donc, ils préfèrent être taxés d'explicatif, de didactique, mais ne pas faire de fioritures avec ces choses-là.
Mais là, ce n'est pas une fioriture, d'ailleurs, j'emploie le mot fioriture, mais pour Piala, ce n'est pas du tout une fioriture, c'est d'aller à l'essentiel sans arrêt. Or, l'essentiel n'est pas du tout ce que va expliquer ce gars-là à Sandrine. L'essentiel est que ce gars-là a quelque chose à dire à Sandrine et s'installe à côté d'elle, lui prend son livre et la regarde en maillot de bain, point. C'est pas du tout... Donc on est beaucoup moins dans le... Oui, dans l'expliquer, enfin, dans le décrit chez Piala. On est dans l'instinctif brutal. Finissons avec « À nos amours ». L'avant-dernier passage, le raccord avec la tête baissée là pendant la représentation théâtrale. T'as le trac pour ce soir ? Ouais. Oh mon Dieu. Donc là, c'était juste ce raccord-là. On finit cette séquence avec ce cut radical dans une phrase, puis on enchaîne quand même, malgré en effet la grande différence entre l'extérieur jour, l'extérieur nuit, le changement d'atmosphère sonore et les costumes, etc. Il y a quand même ce raccord de tête penchée. Là aussi, c'est quelque chose qui, évidemment, se décide lors du montage. C'est quelque chose qui, le plan précédent, vous avez peut-être essayé de le faire durer plus longtemps ou, est-ce que concrètement, je pense qu'on s'est aperçu assez vite que ces deux têtes baissées racontaient très exactement le trac et que quand on entre dans la représentation théâtrale, on ne sait pas si la pièce va commencer, si on est derrière le rideau ou avant la représentation et qu'elle continue, voilà, qu'elle continue à penser à ce qu'elle va faire, à comment elle va jouer, et bref, à avoir le trac. Voilà, donc c'est un raccord extrêmement souple, malgré la cassure de son, on est dans la souplesse totale, on est entièrement dans sa tête. Et c'est donc, on va dire, une direction de montage plus qu'une direction lors du tournage Oui, je vais dans la mesure où déjà je ne sais plus si ben oui, puisque bien évidemment il y avait des plans tournés avant ça, genre le public de la colonie qui s'asseyait, etc. Donc ça, oui, c'est la création de montage, ça, bien évidemment, oui. Et là, donc on colle les deux plans d'elle et puis on s'aperçoit qu'effectivement les deux têtes baissées racontent quelque chose qui est exactement ce qu'on veut raconter à ce moment-là. Enfin, on ne peut pas tomber mieux, donc c'est très bien. Donc on prolonge l'intériorité de Sandrine dans la colure malgré le son de mer et de bateau qui s'arrête, bien sûr. Voilà. En fait, c'est du montage. Ça. Ce qui est assez, on va dire, jouissif d'une certaine manière, ouais, avec un réalisateur comme Moussa Espiala, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire, il y a en effet de l'homogénéité, comme tout d'un coup peut y avoir des éclats. Oui. Toutes les formules, toutes les variantes sont possibles, intéressantes, du moment qu'elles servent, j'allais dire, la chair des personnages et de l'histoire. Il y a une homogénéité et une souplesse, en même temps qu'un très grand contraste, quoi. Donc c'est la confrontation des deux, de cette souplesse et ce contraste du blanc au noir, du moteur aux petits insectes, c'est très frappant. Là, on plonge dans sa tête, là, je trouve, vraiment. On plonge dans sa tête, mais en même temps, à un moment où elle n'est pas vraiment elle-même, entre guillemets. Elle est en représentation. Quand l'image arrive, elle est déguisée, mais c'est absolument celle-là. C'est la femme qu'on vient de voir. Hein. On est quand même l'espace d'une seconde. Il ne doit pas y avoir beaucoup avant la première phrase. Deux secondes, peut-être. Hein. Il y a très, très peu. Mais ça suffit pour qu'on soit en plein dans elle, Sandrine Bonner, puis après. Mais ce qui est intéressant, justement, comme vous le disiez au début, c'est d'avoir ces quatre étapes différentes autour de la préparation et de la représentation pour ensuite partir dans l'inconnu d'une nouvelle vie qui nous est proposée en ayant présenté le personnage de cette manière. Voyons donc la fin, le dernier cut plutôt, entre les deux dernières séquences de la représentation et quand on la voit dans la rue. Adieu, Bertico. Donc là, on a aussi quelque chose de radical, d'autant plus radical au niveau du son, avec ce camion. Alors, ce camion, il était là exprès. Il était là exprès. Non, il ne rajoute pas de son. Hein. Il vient de sortir du... Ah, ça, c'est aussi un truc que j'adore comme sport. C'est ça. Le camion, il doit être juste là. Il est juste sorti. Donc, effectivement, il est là, puis il n'est pas là. La coupe est... Il vient de passer, le camion. Voilà, il est là. Il est pas, on n'attend pas qu'il arrive, qu'il reparte. Pendant le tournage, on est d'accord que c'était un camion jouant, qui était là volontairement. Oui.
Oui, mais il n'était pas. Enfin, c'est pas de la figuration. Hein, c'est voilà. Sur une route, donc il passe. Etc. D'accord. Il ne fait que donc passer. Donc il ne fait que passer. Un camion qui passe, si on veut, et tout ça. Et donc le choix du montage, là, se fait vraiment. Bah, c'est de doubler la mise. C'est-à-dire, il y a un camion qui passe, mais il n'y a pas besoin de le mettre. Il y est déjà. Voilà, ça. Il n'y a pas besoin de voir à l'image, puisque l'essentiel, c'est Mademoiselle. C'est certainement pas un camion. Voilà. Et par exemple, sur ce plan-là, il y avait plusieurs plans pour plusieurs prises pour ce plan. Oui, sûrement. Donc avec camion ou sans camion. Je sais plus, mais oui, encore une fois, c'est un plaisir physique. Hein, et je pense qu'on s'est rencontrés avec Piala là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, le fait d'entendre un camion et de voir une jeune fille, c'est très passionnant. Voilà, tout simplement. C'est l'impression physique est forte. Et donc, pour lui, ça fonctionne. Et puis, il y a aussi quand même le truc très beau, c'est que si on voit le film en muet, c'est complètement magnifique parce qu'elle quitte le champ et exactement au même rythme. Elle marche sur l'autoroute. Hein, donc, c'est quand même très beau. Alors, d'abord, on laisse l'homme, qui est d'ailleurs une femme, tout seul, alors qu'on vient vaguement de présenter un homme avec elle dans un des moments précédents, et puis elle va aller vers un autre homme. Donc, on est bien quand même dans un dessin qui a l'air totalement construit. Hein. Et c'est ce qu'on est. Non, mais c'est ça, c'est, vous disiez jouissif à juste titre tout à l'heure. C'est ça qui est vraiment formidable avec Piala. C'est-à-dire, comme les grands réalisateurs, hein, comme Stevenin aussi, c'est de la même façon. Les scénarios ne sont pas là à la lettre, mais ils sont là à l'esprit totalement dans les films de Maurice, comme dans les films de Stevenin. Alors, après, avant que vous ayez des questions, des remarques à faire sur les deux extraits qu'on a vus, sur le travail avec Truffaut, le travail avec Maurice Piala, puisqu'il ne s'arrête pas avec Un de nos amours, il continue avec Police, avec Van Gogh et avec Sous le soleil de Satan. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette collaboration fructueuse avec Maurice Piala ou François Truffaut ? Alors on ne va pas s'arrêter à Piala et Truffaut et à Stevenin aussi. Vous avez des collaborations donc plus éphémères avec d'autres réalisateurs, parfois un peu plus longues. Vous avez aussi des collaborations, en freelance, je dirais, où on vous demande à intervenir comme ça en plus sur le montage d'un autre. Des consultations. Comment ça se passe, ce métier à part peut-être de faire le consultant? Je ne sais pas, c'est très agréable. Ça a quelque chose de double, que j'aime beaucoup les consultations, c'est-à-dire que comme on est appelé à regarder un film qui est déjà monté, qui est déjà fini mais pas fini, qui pose quelques problèmes, qui éventuellement n'est le metteur en scène, la production, ont le sentiment que le film n'est pas terminé, qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a peut-être des directions qui sont prises qui sont en trop, ou des choses qui manquent, enfin bref, que le film ne semble pas totalement abouti. À ce moment-là, quand on fait appel à comme ça m'arrive, et ça arrive à beaucoup de monteurs, évidemment, de faire des consultations sur les films qui sont en point de questionnement, on a une double casquette qui est formidable, c'est qu'on est spectateur et technicien. Et on est plus spectateur que technicien, puisque heureusement, enfin, c'est ce qu'on essaie d'être toujours sur les montages, et c'est ça qui est difficile sur les films qu'on monte, parce que plus on les monte, plus on en est amoureux, plus on lui passe ses défauts, et moins le film risque de s'améliorer. Il faut faire très attention à bien, on en parlait tout à l'heure avec Vieillard, là, à bien détester les acteurs, parce qu'ils sont bien mieux montés quand on les critique fort. Et c'est pareil pour les films. Hein. Il faut rester vigilant sur la critique jusqu'au bout. Donc, quand on est appelé pour une consultation, on a cette permission d'être dur avec le film. Et à deux titres, donc, au titre de spectateur, style je m'ennuie ou je sais pas quoi, ou j'y comprends rien, tout ce qu'on veut. Puis technicien, évidemment, de trouver des solutions à ces problèmes. Donc c'est une étape très, très agréable, on se sent un petit peu maître après Dieu, tout ça c'est très plaisant. Par exemple, vous travaillez en chef monteur avec Nicole Garcia sur Le Fils Préféré, ensuite vous consultez, vous êtes appelé en consultation. Oui, c'est sympa, elle me demandait, elle me montrait en douce le montage pour avoir mon avis, etc. Parce qu'à la fois ça s'est très mal passé, celui qu'on a monté ensemble, mais elle m'estime bien qu'elle m'en veuille d'avoir fait des bêtises sur Le Fils Préféré, mais quand même elle tient à mon avis, donc elle me rappelait pour qu'on parle des choses, etc. Voilà. C'était un rapport très difficile avec Garcia. Je pense que c'est parce que c'était une amie avant. C'est très difficile de travailler avec des amis et de leur lancer quelques poignards. C'est très, très compliqué. Au niveau du son, oui. On ne peut pas vous le rendre compte, on ne peut pas se déplacer, nous sommes trop... Nous, on va avoir du mal à se rapprocher aussi, parce que la régie ne va pas vouloir. J'essaye de porter comme je peux, je suis désolé mais...
Au niveau de la consultation, est-ce que dans le domaine d'un ingénieur du son, du mixage, etc., il y a aussi ce travail-là éventuellement? Assez peu. Moi, ça ne m'est pas arrivé, en tout cas. On ne m'a jamais demandé de venir consulter. On m'a demandé de refaire des mixages. Déjà fait. C'est pareil, c'est la même opération. Oui, mais on ne m'a pas demandé ce que j'en pensais. Enfin, on ne m'a pas demandé ce que je pensais du mixage précédent. Oui, mais tu dis ce que tu en penses en acte, en le refaisant. Automatiquement. Oui, oui. Je le refais. Mmh. C'est arrivé où Cédric Barderaille, c'était absolument le cas. Le mixage, il n'y a aucune critique à faire autrement, mais le mixage était trop propre aux yeux de Cédric. Et donc, comme j'avais fait le son direct, il m'a dit, bon, écoute, tu veux reprendre la main là-dessus? Ce qui était très, très bien. Donc, j'ai sali tout ça. J'ai bordélisé le mixage qui va très bien au film. Mais on m'a jamais appelé comme consultant comme ça, quoi. Alors, comme vous avez tous les deux travaillé sur Outre-mer de Bogie-Trouan, là, est-ce que vous avez comment s'est passé le travail de montage et ensuite le travail de son? Est-ce que vous avez des Outre-mer, connexions? J'ai fait le son direct. C'est un travail de tournage. Et qui en grande partie conservé le son direct. Oui, 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 il y a très peu de doublage, je crois, dans le film. Oui, oui, très peu. Oui, oui. Ouais, je pense qu'il y en a assez peu. Oui, et, je ne peux pas parler du montage, en fait. Je ne sais même pas qui est-ce qui a fait le montage son. Le montage son, c'est nous, je crois, avec Laurent Rouen. Avec Laurent, oui. Oui, on l'a fait ensemble, au montage image. Je crois qu'on n'a pas un monteur son, pas à proprement parler, qui a débarqué, si tu veux. Le mixage, je ne sais pas qui c'est. Henkin, c'est Dominique Henkin, grand mixeur, immense mixeur. Dominique Henkin qui a mixé le film, qui était assez compliqué à mixer, puisque, je sais pas pourquoi. C'est dur. Est-ce que c'est un film assez compliqué? C'est un film pas facile, oui. D'ailleurs, c'est un film en trois parties. On a essayé, tous les gens autour, là, ils voulaient absolument qu'on mette le film en une partie, enfin, en chronologique, etc. On l'a fait, c'est vraiment pas bien du tout. J'avais essayé à un moment, contre Brigitte, qui voulait absolument, et elle a eu raison, de conserver les trois parties, mais pas contre, mais je voulais essayer autre chose pour être sûr de vérifier les choses. Je voulais essayer en deux parties, parce que c'est l'histoire de trois sœurs, et sur les trois, il n'y a qu'une survivante. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire deux volets, qui étaient les deux vues par la jeune, la grande sœur, la moyenne sœur, vue par Marianne Bassler, la jeune des sœurs, et finir sur elle, ce qui donnait une espèce d'homogénéité de point de vue, vue par la plus jeune, ce qui était un peu, pour moi, le film vu par Brigitte Rouen, puisque c'est, entre guillemets, une partie de son histoire, enfin totalement romancée, etc., mais une partie de l'histoire de la famille, disons. Donc ça me paraissait assez cohérent, et puis c'était évidemment assez bâtard, puisque le film n'a pas été tourné comme ça, il a vraiment été tourné pour être en trois parties. Ouais. Donc le mettre en deux imposait de réunir certaines parties de la troisième partie dans la partie 1 et 2, etc. Donc c'était assez complexe. C'est trois parties, c'est trois regards. C'est trois parties, c'est trois regards. Oui, mais ça pouvait être, tu vois, c'était assez intéressant de voir un regard de Bassler sur les deux autres. Enfin bref, c'était une possibilité. C'était beaucoup mieux que la chronologie, mais ça n'était pas effectif. Voilà, donc, alors on a plutôt amplifié les différences entre les trois parties, entre les trois points de vue. C'est-à-dire que plusieurs scènes étaient divisées, enfin il y avait des scènes vues par une des sœurs, puis par l'autre, et puis vues par l'autre. On a amplifié ce mouvement, c'est-à-dire on a scindé des scènes qui n'étaient que dans un épisode pour rajouter les rémanences de partie à partie. Voilà. On a empiré le processus trois parties, et c'était tout à fait bénéfique d'ailleurs pour le film. Voilà. Cela ne fait qu'affirmer un peu plus que le film se réalise réellement au montage. Il s'affine, c'est-à-dire il est... Alors, plus ou moins, selon les films. Il y a des fois, on est dans quelque chose d'assez proche de ce qui était prévu, et puis d'autres fois, comme pour Outre-mer sans doute, on essaye de retrouver autre chose. Non, pas autre chose. On affine, on va dans le sens du scénario, comme on dit en rigolant avec Stévenin, toujours en l'empirant, c'est-à-dire en le rendant meilleur, on fait pire, on va chercher plus loin la spécificité du film, et à ce titre, je pense qu'on l'aiguise, on le magnifie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr. Alors, vous êtes aussi réalisateur, notamment dans le métrage fait pour Arte. Quand on est réalisateur, est-ce qu'on est aussi chef monteur? Non, il ne faut surtout pas. Enfin, sauf, je connais qu'un exemple, enfin, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais enfin, un exemple typique, disons, particulièrement lumineux de mon gars qui a monté tout seul dans son garage, c'est Cazavetes. C'est Hasbuns, je crois,
qui l'a monté avec son opérateur, qui était aussi son producteur, qui était aussi son monteur, qui était aussi, bref, son complice de l'époque énorme. Donc je crois qu'ils ont passé 3 ans à monter dans son garage. C'est comme grand-père, c'est comme Patrick Grandperret, il a des machines de montage dans son garage, donc il montait chez eux, etc. Et ils ont passé, je crois, 3 ans. Non, c'est Faces. C'est pas la Husbands, évidemment, qui était produit, entre guillemets, normalement. C'est Faces, je crois, qui a mis très, très longtemps à se monter, si je me souviens bien. Et bon, alors là, mais parce que c'est d'abord 3 ans, c'est pas... Un montage de film, c'est 4, 5, 6 mois, selon, hein, ça peut être plus. Hein. Grand Perret, Mona et moi, ça a été 1 an. C'est... Non, l'Enfant Lion, ça a été 1 an. Donc ça peut être très long, un montage. Mais là, c'est pas 3 ans en continu, le Cassavetes, mais c'est sur 3 ans. C'est-à-dire retourner, en fonction des retournages, varier le montage du film, etc., donc, affiner les choses. Bon, bref, tout ça pour dire que je pense que c'était une assez mauvaise idée pour un réalisateur de monter lui-même. À moins d'avoir un temps énorme, parce que ce qui est très difficile, c'est d'avoir un regard extérieur. Déjà, le monteur, comme je vous l'ai dit, a de plus en plus d'affect pour le film et donc devient de plus en plus aveugle. Pour un metteur en scène, c'est encore pire ce processus, c'est encore plus dangereux parce que le système, le réflexe, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais faire, est de plus en plus en route et donc au lieu d'ouvrir la vision du film, ça la rétrécit et c'est très dangereux. Il peut y avoir des films très, très à œillères et qui sont très forts et très profonds, hein, des films complètement autistiques, très, très fermés sur eux-mêmes. Il y a certainement beaucoup de films qui sont valables, qui sont bons dans cette direction-là, mais il est quand même dommage de se priver des critiques des autres, du point de vue des autres, etc., même si on en fait tout à fait autre chose. Par exemple, je n'ai jamais entendu Jean-François Stévenin me dire, quand je lui donnais une idée sur le montage, « Formidable, on le fait ». Il a dit, c'est complètement con, c'est complètement idiot, etc. Et 2 semaines après, il revenait à une solution où on voit bien qu'il y avait 2-3 petites graines de ce qu'on avait planté qui servaient un peu à quelque chose, mais totalement déviées, recuisinées à sa sauce et pas du tout, je prends ton idée telle quelle et boum, ça va être bon pour le film. C'est toujours de la digestion, il s'agit toujours de digestion. Et donc vous, dans votre position de réalisateur avec un monteur, quelle est cette relation? Est-ce qu'elle n'est pas un peu perturbée justement par le fait que vous êtes d'abord monteur avec un réalisateur au-dessus de vous, entre guillemets? Pardon, à cause du fait que j'ai été réalisateur? Voilà. Oui, mais non, ça n'a pas fait grand-chose. Non, parce que d'abord, je n'ai réalisé qu'un film, et puis après, je me suis acheté une caméra, j'ai fait des documentaires tout seul, parce que je ne supporte pas les équipes de cinéma. Donc, je, à cause de ça, je crois que je ne referai jamais un film normal. Puis c'était un film pour la télévision, puis c'est un truc, c'est une petite espèce de bulle à part, comme ça. Je suis content de l'avoir fait parce qu'il ne ressemble à rien des films des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. C'est pas un sous Truffaut, c'est pas un sous Chiala, c'est pas un sous Stévenin, c'est un sous rien du tout, c'est un petit machin, Yann Dedet, c'est tout. C'est pas un grand film, c'est un petit film, mais il a sa cohérence et je suis très content de l'avoir fait. Je suis bien au courant, comme tous les metteurs en scène, que le film est là au lieu d'être là. C'est toujours comme ça. Il faut abdiquer d'un certain nombre de choses. On voit le film, on se dit, oh là là, c'est quand même que la moitié de ce que j'ai voulu faire, etc. Donc bref, ça permet de rester modeste. Et quand on se remet au métier qu'on sait un peu mieux faire, parce que la mise en scène, c'est vraiment compliqué. Et moi, mes failles étaient nombreuses. Hein, c'est la direction d'acteur... Non, enfin, je veux dire, c'est pas du tout un sport que je pratique. C'est quelque chose de particulièrement compliqué. D'autant plus que j'aime les acteurs qui n'en font pas. Donc je ne dirigeais pas, ce que même des acteurs non professionnels de mon film, d'ailleurs, m'ont reproché en disant « mais tu disais même pas que ça tourne, etc. » Moi, c'était un peu mon but, justement. Mais on ne fabrique pas un film de fiction tout à fait comme un documentaire. Donc le jeu à mener est un petit peu différent. Et ce n'est pas, voilà, c'est pas ce que j'ai fait, encore une fois. Par contre, en revenant au montage, que j'ai pratiqué beaucoup, comme la plot basque, là, ça va, là, je suis dans mon élément, donc j'ai pas de... Je vous dis, j'ai 1, 2, 3 jours pour me mettre à niveau... Si le metteur en scène est un peu plus casse-pied ou un peu plus raide ces 2 semaines ou 3 ou 4, je ne sais pas, mais ça vient. Donc en fait, comme vous ne supportez pas les équipes de tournage, c'est la position de monteur... Oui, je suis bien là où je suis, hein. C'est sûr que je suis bien dans ma petite casemate avec l'écran, etc. Non, je ne supporte pas parce que c'est Godard l'a dit 3000 fois, hein, c'est très fatigant de réfléchir avec des fourmis partout, tout ça. Je dis ça sans aucun mépris, ils ont tous leur boulot, l'éclairage, le machin, le truc, les accessoiristes, mais c'est vrai que c'est très épuisant de voir gigoter alors qu'on essaye de visualiser un plan qui soit cohérent avec l'âme des personnages, le style de film qu'on aime, ce style particulier qu'on veut insuffler à ce film-là. Et comme on le voit très bien dans La Nuit américaine, d'ailleurs, les 25 personnes qui viennent demander un truc à Truffaut là, sur le plateau de La Victorine, où on va bientôt projeter La Nuit américaine, d'ailleurs, sûrement, on va y arriver. C'est très compliqué de faire ça, d'être en...
d'être arrêté dans sa pensée par des gens qui font leur travail et qui vous demandent des choses qu'il faut qu'ils vous demandent. Alors justement, la numéricaine, il va être projeté bientôt, non pas à la Victorine, mais au cinéma Mercury, mardi prochain. Je crois. Alors mardi je, soir, je on peux pas y être, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Voilà. Il y aura sans doute un invité, alors ça vous ne serez pas disponible, mais peut-être qu'un des nombreux intervenants sur ce film. Il y a plein de gens encore qui sont là, Stévenin, Glenn qui a fait la photo, Dany qui a joué dedans, enfin il y a plein de gens sûrement qui seraient ravis de venir présenter la numérique. Le chef décorateur, etc. Le chef décorateur qui est ici, Damien Lanfranchi, c'est ça. Donc si vous voulez voir la numérique, sur le grand écran, mardi soir au cinéma Mercury, ce sera une belle occasion de continuer d'une certaine manière cet entretien aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions encore à poser à Yann Dedé ou à Dominique Veillard, ou d'une manière générale sur le travail du monteur ou de l'ingé son? Pas de questions. Alors, est-ce que Dominique a une question à poser à Yann? Ou l'inverse. Ou l'inverse. J'espère que tu vas bien. Comment ça va? J'espère qu'on va refaire un film ensemble. Et moi, j'aimerais bien. On n'a fait que deux dans nos longues carrières. Est-ce qu'un membre du jury de la compétition officielle, qui est orienté vers le son, s'intéresse tout particulièrement au travail sonore des générations actuelles dans le court-métrage? Tout particulièrement, enfin, en ce qui concerne... de toute manière, quand je regarde un film, je regarde un film. Donc, en fait, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas. Peut-être, sans doute, je suis sensible à un certain moment à tel aspect ou tel aspect, mais c'est l'entièreté du film, quoi. C'est la cohérence, c'est la globalité d'un film que je regarde. À aucun moment, je sépare les choses, quoi. À aucun moment, je me pose la question de ci, de ça. Par rapport à une évolution du travail sonore depuis quelques années Enfin, je ne suis pas si vieux que ça, quoi. je travaille encore, quoi. Oui, non, mais le son des années 70, des années 80, des années 2000, ah, non, mais c'est ça, pas le même. C'est une chose... bon, il y a certains réalisateurs, certains sons de films desquels je suis amoureux. Mais des trucs c'est très bizarre, parce que, par exemple, je suis complètement amoureux du son des voitures dans les films de Melville. Il y a quelque chose d'assez magique pour moi. Ce sont des espèces de fantômes de voitures, toujours. Non, mais ça, c'est... sinon, le changement, c'est vrai, quand même. Il y a un vrai changement de matière, puisqu'il y a un changement qualitatif technique. Très clairement. Par exemple, là, le film de Truffaut qu'on vient de voir, c'est daté, le son. On ne regarde pas... je pense que si maintenant un réalisateur actuel faisait un film avec ce son-là, soit on crierait au génie, soit on dit « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et de toute manière, on regarde les films, en tout cas, on écoute les films. Encore une fois, on l'admet dès le départ. C'est-à-dire, si on regarde un film de 1930, avec l'optique qui crache, etc., on n'est pas gêné, au fond. On le mange comme ça, quoi. Donc, les évolutions... malheureusement, moi, l'évolution que je vois, c'est souvent plus il y a de possibilités techniques, plus il y a d'appauvrissement de l'idée. C'est malheureusement ce que je trouve. Peut-être je suis un peu méchant ou je ne sais pas, mais... Est-ce que ce n'est pas un peu le cas aussi au niveau du montage? Si, plus trop de plans, trop de sons, tout. Oui, bien sûr, on est dans le trop-plein, mais enfin, il croit que plus, c'est mieux. Nous ne croyons pas. Enfin, je ne pense pas que toi non plus. On est plutôt dans une espèce d'économie nécessaire plutôt que de se dire... Même un grand cinéaste comme Kechiche, par exemple, on peut se dire que c'est un peu trop de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'il réussit quand même avec ce trop à faire un film qui se tienne
ceux qui sont moins réussis, ça se voit plus, évidemment, parce que pour, il a attaqué tout à l'heure en disant, bon, on ne sait, quand on voit des films, nous, c'est vrai, on essaye, en tout cas, de ne pas séparer, de ne pas regarder un film en jugeant la photo. C'est vrai qu'on ne juge les éléments divers que quand on s'ennuie. Quand on a un film casse-pied, alors là, on voit, on regarde la photo, on regarde les acteurs en disant, tiens, si je faisais un film, est-ce que je prendrais celui-là, des choses comme ça. Mais sinon, le système du plus, c'est quand même un petit peu fatigant. Trop fort, d'ailleurs. Systématiquement, on le voit bien quand on voit les films à la télévision, mais aussi en salle, c'est assez désagréable. Le son est là et les musiques sont toujours là. Toujours. Ça n'a absolument pas mixé des musiques discrètement, comme si on n'était pas avec un maître un disque tout d'un coup. C'est complètement ahurissant. Parce que, quand même, le propre d'une musique, c'est une narrativité à l'égal des acteurs, à l'égal de la photo, à l'égal du son direct. Eh bien, pourquoi la sortir des films? Je trouve que c'est très pénalisant. J'ai entendu des choses affreuses, en fait, de ce point de vue-là, à travailler sur des films et d'entendre... c'est la musique qui porte l'émotion. Voilà, c'est ça. Donc, la musique, tu la mets là. Et ça, ça fait un peu mal à entendre. Et là, on est, à ce moment-là, on est dans un espèce de conflit, de créatif. Et on a l'impression horrible que l'image court après la musique. C'est-à-dire que quand la musique est trop forte, l'image est affaiblie. Totalement. Et le film court derrière, il essaye de rattraper, les acteurs essayent de rattraper le truc, et c'est malheureusement, ils sont perdus à cause du niveau sonore. C'est très embêtant. Et bien souvent, soit quand je monte les sons, soit quand je mixe, et qu'un réalisateur ou un producteur qui intervient dit, voilà, la musique là, je dis d'abord, premièrement, à quoi elle sert, ta musique? Ensuite, faut absolument regarder la scène avec musique et la scène sans musique. Mais je dirais, dans 80% des cas, la scène sans musique est beaucoup plus forte. On regarde. Bon, je milite un petit peu pour ça, là, mais la musique est une forme de telle distanciation. On n'est plus concerné, quoi. Alors, c'est le contraire de l'émotivité, à mon sens, justement. Là, on est rentré dans des débats. Ça va me permettre de conclure sur le fait que ici, on est dans une école. Vous êtes vous-même enseignant à la FEMIS. Le vrai conseil qu'on donne en général aux étudiants, c'est ce que vous venez de dire, c'est concentrez-vous sur l'émotion, ne jouez pas trop avec les outils. Les outils, c'est doit être simplement au service de l'émotion, et c'est pas juste pour épater la galerie. Et le son, et le montage, et les mouvements de caméra, etc., doivent être justifiés, doivent avoir leur propre place. Mmh. Est-ce que c'est un peu le drame du numérique, ça, d'avoir été un outil tellement, entre guillemets, facile, avec un potentiel extraordinaire, que d'avoir eu tendance à rajouter? Oui, c'est un peu un véritable problème. Est-ce que deux choses. Au montage, quand je monte les films, de plus en plus, je me rends compte, je crois, en tout cas c'est ma vérité, je crois que la vérité est dans donner l'impression que le film est vu par les personnages, par le personnage qui est en train de vivre, etc. On voit bien dans le Pialat que c'est exactement ça le but, c'est pas l'information scénaristique, c'est pas ça, c'est la vérité des personnages, bon ça c'est certain. Et quant aux outils numériques, je reviens un stade en arrière, au tournage, le fait que la pellicule numérique ne coûte pas cher est une catastrophe absolue. Parce que le système loubitchien, pour le qualifier du premier inventeur de c'est pas mal en une minute, ça serait beaucoup mieux en 39 secondes, n'existe plus du tout. C'est-à-dire que sur la timeline, quand on reçoit les rushs, on voit la prise 1, on entend à la fin du son le réalisateur qui dit « Tu peux pas prendre un peu plus de temps entre bonjour et est-ce que tu peux fermer la porte ?» La deuxième prise, ça fait ça, la troisième prise, ça fait ça, et voilà. Et on est dans le chewing-gum total. Alors à ce moment-là, ça devient absolument impossible de rapidifier un montage, puisque coller du mou rapidement avec du mou, ça ne vaut rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème économique, parce que la pellicule ne coûte soi-disant pas cher, coûte moins cher que le développement pelliculaire. On pense qu'on peut tourner plus. On est encore dans le défaut du plus. Mais là, c'est plus de longueur. En plus, c'est pire que tout. Bien. Sur cette conclusion d'une logique implacable, catastrophique mais implacable, je vous remercie, et Yann, je vous remercie, Dominique, d'être venu, de vous être prêté à cet exercice. Merci au public aussi, et donc merci. Bonne fin de festival avec ce soir la remise des prix. Un des membres du jury ici, mais il ne dira rien, absolument rien, même s'il a des choses à dire sûrement, mais il ne dira rien sur la remise, sur les prix de ce soir. Donc vous découvrirez ça ce soir au cinéma Rialto.
et avec une rediffusion aussi du palmarès demain au Rialto. Donc je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci pour votre attention. Et voilà. Merci.